Lance Foot vous est présenté par Tadao. Les jours de match, allez au stade avec les bulles ou les navettes. C'est compris avec votre place. Plus d'infos sur tadao.fr. Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là, merci d'être présent sur Facebook, bien évidemment sur Twitter, sur Twitch, on est sur YouTube, on est partout, on est sur toutes les plateformes et vous êtes déjà très très nombreux. Je peux vous dire que là le compteur commence à arriver très très fort avec Adrien. Bonsoir à tous, vous nous regardez, vous commentez bien évidemment l'émission. Une émission exceptionnelle ce soir puisque nous avons deux invités exceptionnels. Tout d'abord, on va accueillir la Dream Team, déjà pour accueillir comme il se doit nos deux invités exceptionnels. On va déjà accueillir le beau gosse de la bande, Franck Quedru. Salut Franck. Bonsoir à tous, bonsoir Cyril. Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut Sylvain. Salut à tous. On va accueillir le patron Jean-Guy Wallem. Salut mon Jean-Guy. Salut. Et puis, nos deux invités exceptionnels, inutile de vous les présenter, vous les connaissez, vous le savez que c'est une émission spéciale dans ce Lance-Foot avec, ils sont là, ils sont beaux, regardez-moi ça, Arnaud Pouille et bien évidemment Grégory Thil. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. De rien. C'est bon, bonsoir. Bienvenue. Salut les gars. Bienvenue donc en direct pour ce Lance-Foot exceptionnel. Vous pouvez bien évidemment, vous qui nous regardez, poser vos questions à ces deux héros, j'ai envie de dire, que nous avons ce soir. On va donc parler avec eux pendant à peu près 45 minutes de cette saison. On va faire un bilan. On va se projeter bien évidemment sur la saison prochaine. On a sélectionné plusieurs questions de supporters, donc ça va arriver dans quelques instants. Alors, déjà, Arnaud et Grégory, au nom de toute l'équipe de Lance Foot et des supporters là, qui nous suivent, je tenais à vous dire déjà merci. Merci pour cette saison incroyable et pour tout ce que vous faites au club. Parce que oui, cette qualif en Ligue des Champions, on la doit tout d'abord aux joueurs qui ont été la chercher sur le terrain, mais aussi à vous. Et voilà, donc à l'équipe dirigeante, on n'oublie pas Joseph Augourlian et tous ceux qui vous entourent. Voilà, vous faites un travail vraiment remarquable depuis quelques saisons et je tenais au nom de tous les fans de Lance Foot et de toute la Dream Team, vous dire merci pour déjà tout ce travail accompli. Voilà, merci à vous. Bah de rien, monsieur. Merci Cyril. Je crois que tu as oublié le staff aussi. Oui. Ouais. Non, mais si je commence à les citer tous, je pense qu'on en a pour une heure. Mais oui. Voilà. C'est... Oh, mais merci à tous. Merci. À l'ensemble de tous ceux qui aiment Lens et qui apportent le soutien à l'équipe. Et c'est sympa. Voilà. Quel a été, on va démarrer par cette première question, quel a été votre premier ressenti au coup de sifflet final contre Ajaccio? Arnaud, quel a été ton premier ressenti vraiment dans l'instant quand tu as su que c'était terminé, que c'était officiel, on était en Ligue des Champions? Quel était ton premier ressenti et qu'est-ce que tu as fait tout de suite? Est-ce que tu as appelé quelqu'un? Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Est-ce que tu as pris quelqu'un dans les bras? Qu'est-ce que tu as fait? Non, j'étais avec mes enfants, en fait. On était en train de descendre parce qu'on savait qu'il y avait une cérémonie, en fait, à la fin. Et pour tout vous dire, le score avait été acquis relativement vite dans la rencontre. Donc oui, il y a une émotion particulière, mais elle a été plus... Moi, j'ai bien aimé le moment où tous les supporters scandaient les noms des joueurs. Il en manquait quelques-uns, mais je trouvais que c'était
c'était une belle célébration pour eux. Et voilà. Et puis après, non, on s'est projeté très vite sur la suite. Mais il n'y a pas eu l'émotion du but à la dernière minute ou la difficulté du score. On l'a plus eu sur Reims, Marseille, tout ça. Mais voilà. Donc c'était plutôt une émotion raisonnée et tranquille. Voilà. Grégory, tu n'as pas eu ce sentiment de devoir accompli, ça y est, enfin, oui, ça y est, on y est là. Non, un peu à l'image d'Arnaud, plutôt zen. Je me suis même fait la remarque, tu vois, dès quelques minutes après le coup de sifflet final. Plutôt zen. À la différence du match peut-être contre Marseille, où là, on était un peu plus monté dans les émotions. Là, c'est vrai que le score acquis dès la mi-temps, hein, soyons clairs, il y avait 3-0, donc le score était acquis, là, moins d'un cataclysme en deuxième mi-temps, mais non, plutôt zen, on l'a bien vécu tous ensemble, on était très heureux de savourer dès le coup de sifflet final avec l'ensemble du staff, des joueurs, des familles, mais non, comme l'a dit Arnaud, on a vite basculé, on avait déjà pu sentir ce moment venir sur la deuxième mi-temps. Ouais. On a eu, on va rentrer dans le vif du sujet, Sylvain, on a eu des infos comme quoi il n'y a pas de crainte à avoir. Arnaud et Grégory, vous nous le confirmez, Francaise sera bel et bien le coach du Racing la saison prochaine. Parce que là, c'est peur panique depuis ce week-end, c'est la panique totale. Chez certains de vos confrères, la question qui était posée était selon vous. et on avait le droit de répondre oui ou non. on a répondu oui. Et voilà, c'est ce qu'on pense fondamentalement. Mais oui, donc vous allez tout faire pour le garder, bien évidemment. Bah déjà, il est là, il a paniqué à partir. On lui a posé je ne sais pas combien de fois la question, parce qu'il a été en plus, encore plus que d'habitude, sous le feu des médias pendant 48 heures. Et il a eu cette réponse, pas de normand, mais qui est logique dans le secteur dans lequel on est. Il a dit que... Qu'il avait eu des sollicitations qu'il fallait qu'il se pose avec nous et voilà, mais j'ai pas beaucoup de stress sur le sujet, mais il faut aussi que comme tout le temps, etc., qu'on prenne le temps de se poser, mais voilà, non, j'ai pas une inquiétude super particulière. Mais c'est donc pas acté, vous devez encore vous voir, vous êtes pas vu encore. C'est pas acté, clairement, qu'il sera l'entraîneur la saison prochaine. On se voit tous les jours, Sylvain. On se voit tous les jours depuis samedi jusqu'à milieu de semaine prochaine. Donc on se voit régulièrement. Après, il y a des trucs qui sont montés par d'autres médias, si tu veux, où on a l'impression de dérouler un fil d'épisodes, comme quoi il y aurait une réunion magique à un moment donné, mais. Mais voilà, non, on bosse lui aussi, et voilà, donc il n'y a pas de sujet particulier. C'est ce que j'ai dit en tant qu'ancien là-bas. J'ai dit, c'est normal, quand un bon joueur a fait une belle saison, généralement on essaie de renégocier son contrat. Là, on a la chance d'avoir un entraîneur qui fait, et entraîneur de l'année devant Paris, devant une machine qui gagne en général tous les ans entraîneur de l'année. Là, c'est Franck, donc c'est normal qu'il y ait aussi un envie peut-être de renégocier aussi un salaire existant. Ouais, il n'y a pas que ça, je pense. Il y a plein de choses. Là, les circonstances sont quand même relativement particulières, c'est-à-dire que on est qualifié pour la Ligue des Champions depuis samedi soir, donc il est logique aussi que dans sa fonction, il y a à la fois le coach et le manager général, mais le coach... il veut avoir certaines garanties sur la stabilité de l'effectif. Bon, c'est la base de notre projet. Donc, il l'a, mais à un moment donné, il faut aussi travailler, rentrer dans le détail. Bien entendu qu'il n'a pas envie d'aller jouer la Ligue des Champions en culotte courte en perdant tout son effectif. Donc, mais voilà. Donc, franchement, les réponses qu'il a apportées aux questions qui étaient posées, on aurait pu faire les mêmes, en fait. Ouais, mais il y avait quand même. Enfin, moi, j'étais à cette conf d'après match.
Il dit quand même des choses, Franck, où je me suis dit, mais pourtant, vous avez des réunions tous ensemble. Comme tu l'as dit, Arnaud, il est manager général. Donc, vous avez des réunions sur le présent et sur le futur depuis des mois et des mois. Je veux dire, la Ligue des Champions, vous l'avez anticipé, par exemple, Joseph l'a encore dit. Mais il dit quand même des choses. Je veux une équipe très, très compétitive et ça passe par des actes. Enfin, il y a eu des mots quand même. Je n'ai pas parlé d'ambiguïté, mais on s'est dit, waouh! Il y a un petit doute là quand même, sachant que toi, tu disais dernièrement, voilà, on ne va pas changer de braquet. Et Joseph l'a encore rappelé après le match, je prends ses propos, depuis 3 ans, on change de dimension, il faut qu'on fasse attention. Donc, il y a quand même eu dans ses propos une petite ambiguïté. Et c'est Franck qui a dit, on va se rencontrer dans la semaine. Mais non, mais de toute façon, je vais expliciter, si tu veux. Nous dans la manière de voir les choses depuis quelques mois, mais en partage avec Franck, il y avait plusieurs scénarios possibles. C'est-à-dire on imaginait une qualification en Conference League qui changeait pas grand-chose par rapport à une Ligue 1 classique, parce qu'il y a un tour préliminaire, donc il y aurait peut-être eu un temps de réajustement en fin de mercato, une Europa League avec certaines choses, et après on imaginait peut-être être troisième. Avec le tour de barrage, donc on avait construit jusqu'à il y a 10 jours. Surtout, l'option prioritaire était troisième. Préliminaire. Voilà, avec tour préliminaire. Maintenant, il y a la qualification en Ligue des Champions en phase de poule. Le budget a été déposé ce week-end. Donc, Franck, qui était concentré sur sa rencontre, il veut qu'on lui décline. Bon, ben voilà, il n'y a pas de problème. On va lui décliner. Ça a été construit aussi avec lui. Il n'y a pas de surprise. Et donc, voilà. Mais c'est sûr que je ne pense pas que le meilleur joueur de Ligue 1 ne soit pas sollicité. Je ne pense pas que le meilleur coach de Ligue 1 ne soit pas sollicité. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Et voilà. Mais de là, être mort de trouille, inquiet, et surtout connaissant Franck. Mais c'est normal que Franck, il veuille... Des garanties. Il va être bien sûr la meilleure équipe possible. Si on lui annonce que l'effectif est transférable, je pense qu'il va tomber de sa chaise et il va lui dire, bon, bah, les gars, vous êtes gentils, merci, au revoir, on est plus alignés. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, je pense que... Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Mais c'est des questions de journalistes. Hein. Bon, bah, Sylvain, il fait son boulot. Mais non, ce n'est pas des questions de journalistes. Arrête avec ça. Mais tu l'as entendu, Jean-Guy. Pas tous en même temps. Pardon. Je ne vais pas me mettre à sa place, mais je pense qu'il a voulu dire, bien sûr, que, comme M. Pouille dit, c'est que bah, des cadres restent parce que c'est comme ça, mais ils sont aussi sollicités, c'est leur saison qui veut ça. Mais je pense que ce qu'il a voulu dire aussi, c'est qu'il va jouer la Champions League et le championnat qui est leur quotidien. Et c'est deux compétitions qui vont être très difficiles. Donc, je pense qu'il veut aussi certainement un effectif un peu plus important, peut-être un banc de touche un peu plus important, avec de la concurrence, et, parce qu'on en a parlé cette saison. Cette saison peut-être moins, mais les saisons précédentes, ils ont un peu souffert des fois que le banc de touche, voilà, il y avait quelques blessés. Donc moi, je pense qu'il veut aussi étoffer son effectif pour être, et il est un compétiteur, donc forcément, c'est pas forcément des garanties comme on le laisse croire, enfin je suppose, voilà, chercher la petite bête, mais c'est se dire, voilà, moi je suis un compétiteur et je veux jouer la Champions League parce qu'on s'est qualifié pour ça, mais je veux aussi avoir une réserve, parce que le championnat va être compliqué, on va être attendu et il n'y aura bien plus de surprises. Quoi. Ouais, et puis championnat, on y reviendra tout à l'heure, championnat en plus à 18 clubs, hein, à 18 la saison prochaine, donc ça va être encore un peu plus bataille que cette saison. On va continuer, parce que forcément, vous en doutez, le mercato, on va y venir même maintenant avec une question d'un supporter, regardez, sur Facebook, c'est Aurélien qui nous a écrit « Bonjour à Grégory, bonjour à Arnaud Pouille, allez-vous recruter des joueurs d'expérience ?» qui ont l'habitude de jouer les Coupes d'Europe, et pouvons-nous garder l'ossature cette année ? Grégory ? Bah, ça fait partie des axes de réflexion. Je rejoins ce que dit Jean-Guy, Franck est dans une posture d'un entraîneur ambitieux, et c'est logique, ça s'entend. Donc oui, des joueurs qui ont l'habitude de jouer des Coupes d'Europe, pourquoi pas ? Mais ce ne sera pas le critère le plus important. C'est un critère. Ça sera quoi le critère le plus important, Grégory ? C'est la performance sportive. Alors, c'est sûr que peut-être qu'un joueur qui est performant en Coupe d'Europe, bah, voilà, le critère va être, le curseur va être un peu plus élevé. Mais ce n'est pas que ça quand on recrute un joueur. Mais on va essayer d'avoir l'équipe la plus compétitive possible. Voilà, l'ossature, comme le dit Arnaud, on n'a pas l'intention de perdre 11 titulaires dans l'équipe. On ne va pas...
la stabilité dans l'effectif a été importante ces dernières saisons. Enfin, stabilité, j'entends, il y a quand même du mouvement dans les effectifs, mais par exemple, sur ce qu'on a fait la saison dernière, il y a trois titulaires, trois joueurs majeurs qui sont partis de l'effectif. Il y a Jo Klaus, Arnaud Kalimundo et Chuck Doucouré. Bon, ben voilà, mais Jean-Guy, tu es entraîneur, tu le sais, il y a toujours des mouvements dans des effectifs, ça fait partie de la vie, il faut oxygéner des groupes aussi. Nous, cette saison, on a eu 10 arrivées dans notre groupe, donc voilà, ça fait partie d'une saison. Ce qu'on veut, c'est garder notre état d'esprit, ce qui a permis d'amener cette performance-là, justement, d'autant plus cette saison par rapport aux deux précédentes, parce qu'on a eu plus de régularité dans la performance, mais continuer comme ça. Et Franck est dans cette vision-là aussi, je pense qu'il en a tout à fait conscience. Tiens, on a un message de Christian là, en direct sur YouTube, qui fait « Alexis Claude Maurice, prêt sans option d'achat, mais possible qu'il reste ». Arnaud, vous le gardez la saison prochaine, il sera lensois, Alexis Claude Maurice ? Non. En fait, Alexis est arrivé dans des conditions particulières avec un prêt sans option d'achat, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire, en fait. Voilà, mais il y a des discussions en cours avec son entourage, avec le club de Nice, pour regarder la possibilité d'une option d'achat d'ici le 30 juin. Voilà, j'en dirai pas tout ce que c'est relativement confidentiel, mais oui, c'est possible, voilà, pour répondre à la question assez directement. Bon, c'est plus que possible qu'il reste. Écoutez, on verra. Tu me connais, Arnaud, tu me connais. Ouais. Sur quel poste avez-vous établi des priorités de recrutement, Grégory ? Ouais, des priorités. C'est ce que je vous ai dit précédemment. Il y aura des mouvements. Peut-être qu'on aura des mouvements dans chaque ligne sur le terrain. Une chose est sûre, on a perdu un joueur la semaine dernière qui n'a pas été remplacé numériquement, c'est Christopher Wu, en fin de mercato, sur le poste de défenseur. Donc, je pense, et le staff en a conscience aussi, on a sans doute besoin d'avoir déjà un défenseur supplémentaire. Donc, et je vous dis, peut-être qu'il y aura un joueur qui arrivera dans chaque ligne. C'est encore des choses qui sont en réflexion. Vous le savez comment ça se passe. Tout dépend de la structure d'un effectif, des fluctuations par rapport à un mercato. Il y aura du mouvement, c'est sûr. Par contre, on fera en sorte, quoi qu'il en soit, d'être compétitif. Sylvain Charnay. Forcément, je pense moi à l'entrejeu où Salis Abdoul-Samed et Seko Fofana étaient vraiment composés le duo de base. On a vu que Junior Onana était vraiment un client pour les relayer. Il va forcément falloir un joueur de complément. Et ça, c'est la première question. Et deux, quid de Poreba ? Oui, c'est une possibilité, Sylvain. On profite aussi pour rebondir sur les propos de Jean-Guy au début, sur l'effectif, sur la quantité, sur l'effectif. Je ne pense pas, Jean-Guy, qu'on aura un effectif pléthorique la saison prochaine parce qu'on fait la Ligue des Champions. C'est pas notre stratégie. On travaille plutôt dans un effectif plutôt réduit, on va dire, allez, 23 joueurs de champ plus 3 gardiens de but. Là où, par contre, il y a une possibilité, c'est d'amener peut-être plus de compétitivité, plus de qualité sur les joueurs de ce que tu appelles, Sylvain, de complément ou ceux qui ne sont pas forcément titulaires. Donc, c'est une possibilité que Lucas, qui est un joueur talentueux, qui a un gros potentiel, mais comme tu l'as dit, il y a du monde chez nous au milieu de terrain, donc peut-être qu'il aura besoin de s'aguerrir et d'aller prendre du temps de jeu ailleurs, et là peut-être que Lucas sera remplacé par un joueur qu'on estime peut-être plus compétitif à l'instant T par rapport à nos besoins. Donc c'est une possibilité aussi. Jean-Guy, est-ce que vous vous êtes donné, mais bon, c'est une question et on n'a pas forcément la réponse aujourd'hui, mais c'est peut-être une stratégie chez vous. Est-ce que vous vous êtes donné une deadline, parce que en tant qu'entraîneur, même si ce n'est pas le même niveau, la préparation est quelque chose de très important et les entraîneurs aiment avoir leur socle et leur groupe pour la préparation. Est-ce que vous allez pouvoir, ça on n'en sait rien, mais est-ce que vous vous êtes donné dans la stratégie une deadline sur, voilà, Fofana peut partir maximum, ou on sait très bien qu'avec les tarifs ou les équipes au dernier moment qui feront un chèque, c'est difficile pour un club comme Lens, on le sait très bien, mais est-ce que vous, dans la stratégie, vous vous êtes donné une deadline disant, voilà, nous, à partir de ce moment-là, ça ne bouge plus, quoi. Comment ? Arnaud ? Ouais, non, mais Jean-Guy, excusez-moi, mais je comprends la question et vous le savez pertinemment, c'est-à-dire que
y a la relation qui est importante avec les joueurs et leur entourage. Donc, on sait avec quel joueur on est sur un projet qui arrive peut-être à terme d'un potentiel départ. Voilà. Donc, grosso modo, c'est pas celui qui est arrivé la saison dernière. Mais comme on l'avait fait avec Cheikh Doucouré, c'est-à-dire on s'était inscrit sur un projet où il fallait qu'il fasse au moins 2 ans de Ligue 1, ben l'an dernier, c'était le bon moment. Ouais. Donc, il y a des joueurs dans l'effectif où on a déjà eu, ils sont relativement peu, mais on a déjà eu ce genre de discussion. S'ajoute. Donc vous avez anticipé forcément le recrutement éventuel derrière. Oui, exactement. Quel joueur? C'est les journalistes. On est là. On lâche rien. C'est un journaliste, Sylvain. Comment? Tu dis quoi, Arnaud? C'est un journaliste. Je crois que même Jean-Guy l'a posé. Jean-Guy, t'as rejoint dans le camp des journalistes. Ouais, exactement. Tu sais, je l'ai bien réhabilité. Là. Il est sur de bonnes bases désormais. Non, parce que moi, je sais que la préparation, oui. c'est des fois 50% de la saison, parce que c'est important. Non, mais il n'y a pas de deadline, Jean-Guy, mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir le maximum de ton effectif à la reprise ou en stage. Bien sûr. Si vous avez, par exemple, soyons clairs, Brice Samba, Seko Fofana, Florian Sotoka, Loïs Openda, est-ce que ces joueurs-là sont intransférables, ou si tu as un gros club qui arrive avec 30 ou 40 millions pour Openda, par exemple, est-ce qu'il part? Il en manque 6 ou 7 dans l'équipe type. Non, arrête, Arnaud. Je fais une réponse. Non, est-ce qu'il y a des joueurs intransférables? Oui. Lesquels? Ah. Joker. Oh non! Tu sais qu'ici c'est 0 langue de bois, il n'y a pas de joker, Arnaud! Et tu sais quoi? Ça serait indécent de te répondre, parce que justement, on va comparer nos listes avec celles de France. C'est la même. Non, mais c'est irrespectueux vis-à-vis des autres joueurs aussi. Hein, exactement. Oh, Jean-Guy, oh! Oui, Jean-Guy. Je ne veux pas être assimilé à un journaliste, s'il vous plaît. Est-ce que Buxa va partir cet été en prêt ou en vente, ou est-ce que vous le gardez la saison prochaine? Est-ce qu'il va aller s'aguerrir un peu ailleurs ou pas? Mais on veut pas. Franchement, les gars, on veut pas donner de d'infos sur ça. Personnel, etc. Franchement, je rejoins Jean-Guy. Ça serait vraiment irrespectueux. On a renvoyé tous les agents au 4 juin. Alors, bien entendu, il y en a avec qui on a échangé avant. J'imagine bien qu'on ne va pas déclarer quoi que ce soit avant de les voir. Le 30 mai, forcément. Voilà. Il faut qu'on fasse ce qui est prévu, c'est-à-dire de valider une bonne fois pour toutes les choses avec Franck sur la feuille de route. Et je pense qu'il n'y aura aucun sujet sur ce point-là. Et après, il faut qu'on reçoive les joueurs et leurs conseillers et échanger avec eux. On va pas détailler une situation personnelle. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la saison de Pereira da Costa, Grégory? Il a perdu un petit peu le fil. David, c'est un jeune joueur encore qui est pour le coup très talentueux, qui est formé au club. Il a eu une période où il était en délicatesse avec son épaule, où il était blessé, et on a recruté sur ce poste-là, sur ce secteur de jeu qui est fourni, où il y a beaucoup de concurrence. Donc forcément, ça a été plus délicat pour lui ensuite. Mais là, il était top dans l'état d'esprit sur la fin de saison. Il était dans le groupe, il était motivé, joyeux. Il était bienveillant à l'égard de ses coéquipiers. Mais il y a de la concurrence, c'est comme ça dans un groupe de foot. Donc il l'a bien vécu, cette saison, il l'a bien vécu, Pereira da Costa. Cette saison, il l'a bien vécu. Il y a eu sans doute des périodes de moins bien dans sa saison, c'est fluctuant. Il a été malheureux par rapport à sa blessure, il est en délicatesse. On a dû se renforcer parce qu'on avait des besoins, et on a 2 joueurs qui sont arrivés sur ce poste-là. On a Adrito Masson et Angelo Fulgini qui sont des joueurs... Ouais. Expérimentés avec de la qualité, qui ont eu de la performance. Donc c'est dur. Franck ne peut pas faire jouer tout le monde. Malheureusement, c'est le lot dans une saison. Et David est encore, même si l'an dernier, il a eu peut-être un peu plus de temps de jeu, mais il est encore en apprentissage. Il a encore des choses à apprendre pour être performant dans la régularité. Donc, mais ça viendra en temps voulu. C'est ça le plus fort. Sylvain Charlet. Mais Greg, tu vois ce que je disais. Pardon. Allez-y, monsieur le journaliste, allez-y, je vous en prie. Non, priorité à la légende. Ouais, la légende. Je ne suis pas mort encore, hein. Laisse-moi tranquille. Mais les légendes sont vivantes dans le football. Moi, ce que...
Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ma question, pas ma question, mais mon propos initial, c'était que justement, comme tu vas jouer la Champions League, et on sait très bien qu'à chaque match de championnat après une Champions League, c'est compliqué. Des garçons comme ça, et d'autres que vous allez peut-être recruter, vont être amenés à avoir du temps de jeu. Mmh. Parce qu'on sait que c'est des compétitions qui usent. Donc, je pense que l'année prochaine, Da Costa Pereira, s'il est performant, il va avoir du temps de jeu et vous allez être attendu aussi sur ce que j'ai dit, le quotidien qui va être le championnat. Parce que bien sûr que vous allez jouer la Champions League Open du mieux possible pour représenter et prendre de l'expérience, mais le quotidien va rester l'objectif numéro un. Donc ces joueurs-là vont être très importants. Exactement, tu as bien raison Jean-Guy. Il y aura sans doute des joueurs qui seront titulaires en Ligue des Champions, qui jouent le mercredi soir, et peut-être que Franck le samedi ou le dimanche fera jouer d'autres joueurs qui auront besoin d'être compétitifs. Mais David a déjà montré qu'en Ligue 1, il pouvait être performant. Il a fait très dernièrement. Il a fait des bons matchs aussi, je me souviens, en Coupe de France, notamment à Lorient. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur ce registre-là. Allez, on clôt le débat par Da Costa. On avance parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et le temps nous est compté. Tiens, Jean-Louis Leca sera-t-il encore deuxième gardien? C'est Nicolas qui nous pose la question là en direct sur Facebook. Oui. Ok. D'accord. l'avenir de Farinez? Ça, c'est fait. Farinez? Wilker, en fait, il a. Des nouvelles de lui? Comment ça se passe pour lui? Une plutôt longue parce qu'il. Il a eu une grave blessure, il se remet petit à petit et on espère qu'il sera apte le plus rapidement possible. Il a dû être réopéré. Voilà, il a dû être réopéré, donc c'est assez long. Mais voilà, on espère qu'il sera apte le plus rapidement possible. Tiens, alors là, je vais vous dire, en direct, je viens de recevoir un message. Alors là, c'est pour Grégory. Grégory, quelle en est cette rumeur de Mercato là? Oscar Cortez, le jeune prodige là de Millonarios, un jeune milieu apparemment, jeune prodige du club apparemment, vous seriez dessus les gars. Je crois qu'il va rien t'en dire. Je vais pas commenter toutes les rumeurs. Il est derrière la caméra avec Hugo. On commente pas les. Donc tu connais, tu vas pas me dire que tu connais pas. Je connais le joueur. Tu sais, on suit beaucoup de jeunes joueurs. C'est un jeune joueur talentueux. Ça, c'est, vous aimeriez bien l'avoir. On suit. C'est pas le. Je vais pas te répondre sur cette question. Je ne commente jamais les rumeurs. Les rumeurs. Qui nous sont prêtés sur les périodes de mercato. En résumé, vous voulez David Pereira, Oscar Cortés et Alexis Claude-Maurice, c'est ça? Ça fait du monde. Ça fait un peu de monde. Deuxième, tiens, question d'un supporter. Alors, c'est Alexis, c'est pas Alexis Claude-Maurice. Hein. Il nous dit, considérant l'apport financier d'une qualification en Ligue des Champions, est-ce qu'on sera en mesure de refuser une offre de 30 millions pour un joueur comme Danso, Medina, Openda ou Fofana? On a un peu répondu, mais... Oui. Après, je n'ai pas détaillé par nom, je ne réponds pas pour les noms, mais oui, on est en capacité de... De refuser une belle offre. De qui que ce soit, refuser une offre de 30 millions, vous êtes capable. Oui. Ok, c'est bien. Parce que moi, j'ai le souvenir, ce n'est pas la même époque, hein, j'ai le souvenir de l'OM, quand Drogba brille à Marseille, au bout d'une saison, Chelsea vient avec plus de 20 millions sur la table, et à l'époque, c'était vraiment énorme, et les dirigeants lui avaient dit, non mais Didier, on ne peut pas refuser cette offre, et il faut que tu partes, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une vraie crainte de se dire, si demain, il y a un club qui vient mettre, 40-50 millions d'euros sur un joueur comme Luis Openda, moi, je me dis, c'est difficile pour vous de refuser ça. Vu ce que Joseph Ogourlian a déjà mis sur la table, par exemple, plus de 50 millions d'euros investis dans le club. Mais ils sont capables. C'est assez fort parce que tu rajoutes des noms à la liste, des montants, etc. tu t'es en tu rajoutes des dizaines de millions par dizaines de millions. Oui, mais aujourd'hui, j'aurais pu te dire 30 pour Openda, mais je te dis 30, 40, 50. C'est des montants qui peuvent être dingues aujourd'hui pour un attaquant comme Openda. Ce qui est certain, c'est qu'une des variations du projet, par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes, c'est que quand tu es jeune club de Ligue 1, tu ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, tu vas rester l'an prochain. Là, on peut le dire, encore plus, tu es en Ligue des Champions. Et encore moins, on n'a rien promis à personne, hormis quelques-uns, mais vraiment très peu.
Et cela, l'engagement du club, c'est de tenir sa parole si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe pour ces quelques joueurs concernés. Donc, oui, il y aura des joueurs qu'on ne transférera pas. Et en fait, dans ces cas-là, normalement, tu n'as même pas de montant parce que tu n'ouvres même pas la porte à la discussion. Voilà. Donc, on peut recevoir des offres farfelues, si tant est qu'il y en ait, mais il y aura certains joueurs, pas mal d'entre eux, et ben voilà, qui sont très heureux de jouer à Lens, la Ligue des Champions et le championnat la saison prochaine. Voilà. Combien il y a l'aventure humaine aussi. Il y a l'aventure humaine. Jean-Guy. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Excusez-moi, je suis disparu parce que je suis dans le vestiaire et c'est compliqué. J'ai pas beaucoup de connexion. Ouais, et Boulogne, Greg, tout va bien, ils sont sauvés aussi, donc ils vont se sauver ce week-end tous les deux, donc tout va bien. Non, mais peut-être que vous en avez discuté là, et c'est la fin de ce que M. Pouilly est en train de dire. Est-ce que, Greg, tu penses, enfin, vous pensez, que peut-être cette saison, vous allez garder plus facilement, parce que tu l'as dit quelque part, l'attrait de la Champions League, ben, aujourd'hui, des garçons vont être sollicités, mais vont peut-être pas être sollicités par des clubs qui vont tous jouer la Champions League, parce que tout le monde ne la joue pas, et que par rapport à la saison dernière, je ne dis pas que c'est plus facile, parce que vous avez fait une grosse saison et qu'il y avoir des sollicitations, c'est logique. Mais est-ce que, justement, le fait d'avoir cette capacité à jouer une compétition extraordinaire, ça fait réfléchir les joueurs et qu'ils seraient plus à même à rester, alors que l'année dernière, bon, il y a eu des offres aussi, parce que vous avez fait une très, très belle saison, et que c'était plus compliqué de retenir les gens. Non, mais oui, je te rejoins, Jean-Guy, c'est une certitude qu'on est plus attractif en étant en Ligue des Champions, pour l'extérieur d'une part, mais aussi surtout pour nos joueurs, pour nos propres joueurs, pour notre effectif, que si on avait été en Europa League peut-être, ou même troisième avec l'incertitude d'un barrage au mois d'août. Donc l'attractivité du club, elle est forte, mais elle est forte aussi pour ceux qui composent notre effectif. Donc oui, c'est une vraie force d'être en Ligue des Champions, et beaucoup de joueurs doivent se dire, pouvoir jouer la Ligue des Champions avec Lens, c'est quand même une grande chance. Allez, on enchaîne avec une question supplémentaire d'un supporter. Gervais Martel. Ah bah c'est pas notre Gervais, hein. Gervais Martel. Mais il est aussi bavard que lui apparemment. Alors, première question, quoi de prévu en termes de largeur d'effectifs saison pro, effectifs resserrés pour concerner tout le monde, ou le risque de doubler, tripler des postes? La masse salariale va-t-elle fortement augmenter avec des prolongations? Et quelle place sera budgétée la saison prochaine? Vas-y, Greg, pour la première. Ouais, j'allais dire, je réponds sur la première question. Il faut parler plus. L'effectif resserré, ou alors vous allez doubler, voire tripler des postes? L'effectif sera… Non, on ne triplera pas les postes. En général, les postes sont doublés, c'est déjà une bonne chose. Non, on fonctionne avec un effectif restreint pour concerner tout le monde. C'est le modèle de Franck et du staff, c'est le modèle du club, et on est aligné là-dessus. Et je regardais juste une petite stat sur la saison entre le championnat et la coupe, c'est genre 30 joueurs utilisés. On a 8 joueurs qui étaient à moins de 10 matchs, mais certains ont quitté le club en cours, Ganago, Berg, Kakuta ou encore vous. Voilà, donc on a 22 joueurs qui ont au moins disputé 10 matchs cette saison. Et c'est vrai que quand on regarde l'ossature du schéma en 3-4-2-1, voilà, on a des postes qui sont doublés, voire triplés avec des joueurs polyvalents. Franck Quenru, tu voulais ajouter quelque chose ? Ah non, il l'a dit, c'est vrai que tu n'as pas besoin de tripler les postes parce qu'il y a des joueurs qui jouent à 2 ou 3 postes, donc ça compense largement un blessé ou un suspendu sur le même poste. La masse salariale va-t-elle fortement augmenter avec des prolongations, Arnaud ? Ouais. En complément de ce qu'a dit Greg aussi, parce qu'il me le dit souvent, je l'ajoute, mais juste l'an prochain, on est 18 en championnat et pas 20, et on est qualifié pour une compétition, on va faire 6 matchs. Donc pour l'instant… On a 2 matchs supplémentaires, donc de là à changer complètement le modèle, on voit pas les raisons. Ensuite, sur la masse salariale, elle va augmenter fortement, c'est subjectif, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais oui, elle va augmenter sensiblement, ne serait-ce que parce que dans les contrats de joueurs, il y a des choses qui sont souvent prévues. Voilà, donc ça va du salaire de Ligue 2 à une qualification européenne. Donc il y a une augmentation organique normale de cette masse salariale. Et oui, on a prolongé des cadres. Oui, on a remis à niveau pas mal de personnes. Voilà, parce qu'à un moment donné, quand certaines personnes ont fait 7e du championnat, et qu'ils étaient 2-3e du championnat,
quand vous les prolongez, il y a forcément de nouvelles conditions. Donc voilà, mais ça va augmenter. L'objectif, c'est que là, en fait, en début de saison, on était la 11e, 12e ou 11e masse salariale. On a toujours du mal à savoir parce que c'est des secrets de boutique. Progressivement, au cours de la saison, parce que voilà, on a eu des bons résultats, donc des droits audiovisuels supplémentaires, donc les types ont gagné beaucoup de matchs, donc il y a eu des primes de match, etc. Bon, bref, on est passé entre la 10e et la 9e. L'an prochain, c'est essayer de se positionner vers la 8e place, sachant qu'il y a 7 gros clubs avec de très forts moyens. Bah, nous, c'est d'être le meilleur outsider possible, sachant que c'est un critère important parce que votre performance, elle est souvent très, très corrélée avec la masse salariale. Et alors, quelle place sera budgétée la saison prochaine? C'est une super question. Voilà, elle sera pas loin de notre classement en termes de masse salariale, sachant que c'est-à-dire ça c'est définitif. C'est-à-dire, je viens de dire soit 8e, soit 9e. Ah oui, excuse-moi. Mais sachant que ça c'est un sujet aussi. Vous déposez un budget, vous en discutez avec la DNCG. Vous êtes auditionné, en fait, vous l'avez définitivement fin juin. Mais pour l'instant, leur idée, c'est de la mettre en corrélation avec notre masse salariale, oui. Et Greg, excuse-moi, Cyril, parce que moi, ça m'intéresse au niveau de l'expérience et aussi de la curiosité. On parle de changement, donc il y a des réponses comme quoi il y aura pas forcément de changement sur certaines choses. Mais est-ce que tu sais, Greg, si au niveau sportif, vous allez changer au niveau de la préparation? Des matchs de prépa ou de la préparation de la reprise par rapport justement à cette qualif? Non, parce que la préparation aurait pu être différente, Jean-Guy, si on avait dû faire le barrage, pour le coup. Là, finalement, ça modifie peu de choses dans notre préparation, puisque notre premier match de compétition officielle va être un match de championnat. Ça va être la reprise de la Ligue 1. Oui, alors je me suis mal exprimé. Au niveau des adversaires, Mais tu sais, déjà la saison dernière, on essaie d'avoir des adversaires de qualité. Peut-être que là, on s'orientera peut-être vers un ou deux adversaires qui potentiellement de niveau européen. Oui, c'est une possibilité. Le tirage, il est, je sais pas trop suivi. C'est 31 août. Ouais. 31 août. D'accord. 30 août. 30 août. Voilà. Donc au avec niveau de la premier prépa, match, tu peux pas forcément savoir si je n'importe quoi, tu joues Milan, si tu l'as dans ton groupe, c'est emmerdant, quoi. Mais bon. Ouais. Avec premier match 19 ou 20 septembre. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant vraiment avec cette deuxième place, c'est que tu peux vraiment te lancer sur ton championnat, parce que si tu avais été terminé troisième, tu dois jouer sur deux tableaux et tu commences par un préliminaire, un barrage de Ligue des Champions début août, et on a vu que Monaco a vraiment galéré. Là, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant pour plein de domaines, et notamment pour l'aspect sportif. Tu peux te concentrer en août sur ton championnat et bien lancer ton championnat avant de te projeter sur la Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment quelque chose… Enfin, c'est un vrai cadeau, ça. C'est un cadeau, on est allé le chercher, mais… Ouais, bien sûr. Ouais. C'est une vraie force, oui. Je ne sais pas si ça vous intéresse, Jean-Guy, mais une idée qui a été émise par Franck et Greg, je le dis parce que… Mais c'est d'avoir peut-être une grosse opposition à l'extérieur, par rapport à la saison dernière, qui changeait. On avait fait l'Inter-West Ham ici à domicile. Avoir une belle affiche à l'extérieur. Et puis après, grosso modo, sur la préparation, on va essayer de progresser. Partout, on a vu qu'on avait des zones de progression. L'an dernier, on a fait un stage à Rodez sous la chaleur intense. On n'avait pas la clim dans l'hôtel, c'était un peu artisanal. Là, cette année, l'idée, c'est de progresser aussi sur ces sujets. Parce qu'on a encore beaucoup de zones de progression. Le temps file à une très, très grande vitesse, malheureusement. On enchaîne, les amis, avec une question de Ludo qui fait concrètement. On en est où, là, de l'agrandissement du stade, de la vente et l'achat du stade? Où est-ce qu'on en est, Arnaud? Alors, sur l'agrandissement du stade, on attend impatiemment, mais je l'expliciterai après, le cahier des charges de la commission interministérielle, ministère des Sports, ministère de l'Intérieur. Le cahier des charges a été rédigé par le ministère des Sports, a été envoyé pour relecture au ministère de l'Intérieur, relecture amendement. Et une fois qu'on aura reçu ça, on pourra y répondre, sachant qu'on a déjà tous les éléments de réponse. Mais et avant que ça tombe dans... pour pas critiquer les ministères à outrance, il faut savoir que sur la question des tribunes debout, c'est-à-dire on parle de la tribune debout, de l'augmentation de la capacité dans les zones debout du stade,
on est les seuls en France. Enfin, quelque part, on est quatre à avoir des zones de boue, quatre ou cinq. Et ceux qui ont vraiment une envie féroce d'augmenter la capacité dans ces zones, il n'y en a qu'un, c'est le Racing Club de Lens. Donc, on comprend aussi que les ministères ne peuvent pas passer leur temps sur le dossier. Mais on sait aussi toute la frustration que ça génère. Et on sait aussi qu'on a passé les zones de boue depuis septembre 2018. Donc, c'est sûr que ça peut sembler long. Et on sait aussi que la Coupe d'Europe, en plus, va générer encore plus de frustration. Donc, on attend et on est respectueux de tout ça. Mais dès qu'on peut, on le fera. Et ça se fera dans les zones concernées, quand même sous phase de test. C'est-à-dire qu'on ne distribuera pas des abonnements dans ces zones, mais plutôt sur des rencontres déterminées. On pourra, par exemple, allouer ses places à tous ceux qui se sont inscrits sur les listes d'attente. 30 secondes, Sylvain. Ensuite, on enchaîne. J'ai encore deux questions de supporters. Là. Mais juste une question par rapport à ça, à Arnaud. En Coupe d'Europe, tu as droit aux zones debout ? J'imagine que oui. Hein. Oui. Non, en fait, il y a deux ans, si on était allé en Coupe d'Europe il y a deux ans, on aurait été très embêtés, en fait, parce que il aurait fallu remettre des sièges en Marek, où là, en fait, le béton, il date de 84. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais heureusement, depuis deux saisons, l'UEFA est rentré dans un système dérogatoire dans trois pays, dont la France. Et donc, on a déposé le dossier en sens. On a la visite de l'UEFA en juin, et selon toute vraisemblance, on sera sur le système dérogatoire concernant la Marek, fort heureusement, parce qu'on n'imagine pas jouer... jouer un match de retour en Coupe d'Europe c'est clair. Avec une marée fermée. Voilà. Question, on enchaîne. C'est parti. On a Tom qui fait « Tiens, est-ce que les retours de Bourigeaud et Varane relèvent du fantasme ou est-ce réellement possible ?» Grégory. Oh. Ah, faut répondre, forcément. Non, à l'instant où je vous parle, c'est pas. Je crois que Raph Varane vient la semaine prochaine au match des héros. Hein, il va rester d'ailleurs, il reste. Hein. Il reste. Hein. Ouais, mais il va pas passer la visite médicale, il a encore un peu mal au genou, je crois. Je sais pas dans quelle équipe il joue d'ailleurs. Il est avec vous quand même. Il joue avec les anciens du Racing, c'est très bien. D'ailleurs, il y aura des recruteurs à ce match. C'est sûr que ça fait rêver, les gars, mais comme vous l'a dit Arnaud avant. On n'est pas dans les sept clubs tout en haut. Avec donc, ça relève du fantasme. En ce qui concerne, dernière question, messieurs, pour ce spécial Lens-Foot, c'est Krabi qui nous dit, en essayant d'embarquer tout le staff de la Gaillette avec lui, Florent Ghisolfi, a-t-il également enrôlé les scouts qui œuvraient pour le club ? La réponse est non, en fait. Les départs qu'il y a eu sont... ceux de Laurent Bessière et Justin Dubois à l'intersaison. Voilà. Ok. Aucun autre. Aucun autre ? Non, et personne. Personne d'autre. Non. Très bien. Eh bien, écoutez, on va vous laisser parce qu'on avait promis un timing. Je sais qu'Arnaud, vous êtes attendu. Waouh ! Pour une fois qu'on respecte le timing, vous avez de la chance, les gars. C'est la première fois qu'on respecte un timing, mais c'est normal, avec deux invités exceptionnels comme vous, on était obligé de le faire. En tous les cas, merci de vous être prêté au jeu, Arnaud, Grégory, encore un grand merci. Si vous deviez terminer, le mot de la fin envers tous les supporters, là je sais qu'on est en train de battre le record de vues là, en ce moment, ils sont très très nombreux, là, ils sont plusieurs milliers. Qu'est-ce que vous diriez à tous nos supporters, là, à tous les supporters qui regardent l'émission ? Non, mais déjà, je dirais un mot à vous. Je souhaite que la prochaine fois, Jean-Guy m'appelle plus monsieur. Ça me gêne. Alors, je souhaite que vous ne me vous voyez plus. C'est toi qui as commencé, Jean-Guy. Donc déjà, ça, c'est pour vous et vous remercier de votre accueil. Et puis, à tous vos auditeurs, eh ben, écoutez, et notamment aux jeunes qui n'avaient pas connu la Ligue des Champions, etc., on est hyper heureux pour eux. Et qui s'inquiète pas, on va bosser et avec Greg, avec Franck, avec Joseph, avec tous les salariés du club pour qu'ils passent les meilleurs moments possibles. Voilà. Oui, ils peuvent être fiers de leur équipe, je pense qu'ils doivent ressentir de la fierté. En tout cas, encore donc un grand merci de la part de tout le monde. Grégory, très bon boulot derrière Ghisolfi. Je trouve que t'as assuré comme il le fallait et voilà. Et il y avait beaucoup de pression et tu l'as fait. Haut la main, un grand merci pour vous, Arnaud, comme d'habitude. Patron, oui. Belle journée, belle soirée, merci. Bonne nuit. Merci, les gars, bonne fin d'émission. Merci, bonne soirée, les gars. Ciao. Et
À très bientôt, Arnaud et donc Grégory Thiel qui étaient nos invités. Bon, messieurs, on va clôturer l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé alors? Arrête de dire monsieur, t'as dit. Ouais, c'est vrai. Bon, les copains, qu'est-ce que vous en avez pensé là de ce jeu de questions-réponses? Bon, Sylvain. Ouais. Bah non, mais c'est encore un peu tôt. On n'a pas de son. Sylvain, t'as pas de son. Franck. Pardon. Ouais, je t'ai dit, il pouvait pas nous donner des noms des joueurs intransférables, ils en parlent avec eux, quel est leur projet, et de dire est-ce que le joueur est prêt aussi à dire non à une offre de 30 millions et d'un salaire triplé? Est-ce qu'il est prêt pour faire ça un an? On verra. Après, donc il faut d'abord qu'ils en parlent aux joueurs, et puis voilà. Jean-Guy. Mais tu as raison, Franck, mais en plus. La stratégie, c'est comme dans tous les clubs, je ne vais pas dire petits, mais par rapport aux autres clubs qui jouent la Champions League ou le haut de tableau, c'est faut être plus malin, plus vicieux, plus intelligent quand tu as moins de moyens. Donc forcément, ils ne vont pas divulguer leur piste, même s'ils nous aiment bien. Mais c'est logique que si tu veux faire des coups, forcément, et les saisons précédentes, ils en ont fait aussi quelques comme ça. Donc ce n'est pas qu'ils ne veulent pas dire les choses, c'est qu'ils... Ils jouent leur joker et leur va-tout et ils essayent de faire des dossiers parce que si les dossiers viennent sur la table, bah forcément, quand tu as plus de moyens, c'est un peu plus facile de les réaliser. Ouais. Donc c'est logique. Mais je vais vous rappeler un petit dicton qui va très très bien à Franck Hayes. Je vous l'avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez. Travaillez en silence, laissez le succès faire du bruit. Et ben, c'est exactement ça. Ah oui, très bien. Non mais voilà, il y a. Attends, Sylvain, il a oublié ses racines. Hein. D'accord. Pour qui? Petit diseux, grand faiseux. D'accord. Voilà. Non mais bon, il y a quand même des choses hyper rassurantes pour. Ah, oh, ah Daniel Bruyère, il est arrivé. C'est ça. Comment il s'appelle le chien déjà? C'est Hercule. Hercule. Hercule, avec Hercule, apostrophe. Ils sont. Moi, je les trouve hyper posés. Ils sont. Je pense que pour les supporters, ils sont rassurants. Parce que ce soir, bon, bah, on a quasi la confirmation que... Ils sont sereins. Ils savent où ils vont, en fait. Ils savent où ils vont parce que tout est anticipé, tout est réfléchi. On comprend bien que Franquès sera bien sur le banc. Et voilà, il y a des joueurs intransférables. Donc, moi, je vais même rajouter, il y a des joueurs cadres intransférables. Et ça, c'est quand même une donnée hyper intéressante. Et Arnaud Pouille confirme aussi que l'idée ne sera pas de faire des folies. Il l'avait déjà dit, on va garder cet ADN. Clairement, pour vous, qui est intransférable? Ah, il faut jouer à ça. Allons-y, soyons fous. On a encore quelques minutes, on a encore 3 minutes. T'en as 5. Vas-y. Pour moi, t'as Samba, Danso, Medina, Seco, Openda. Je pense que tu auras un des deux entre Danso et Medina. Je pense que tu as un des deux qui part. Mais après, il te dit quand même. Il va y avoir deux départs. Mais oui, peut-être. Mais tu vois, par exemple. Même pas des titulaires. Les deux départs, ça serait ceux qui ne jouent pas beaucoup. Je te rejoins. Parce que n'oubliez pas, et on en a déjà parlé, que le fait d'être déjà qualifié pour la phase de poule, tu prends un billet de 15 millions d'euros. D'entrée. Ouais. Et ensuite, tu as. Et 20 millions de droits télé. Et à minima, tu peux monter à 27 s'il n'y a que deux clubs français, ce qu'on n'espère pas. Mais ça veut dire que tu pars déjà avec 35. C'est-à-dire que tu peux te permettre de ne pas vendre deux joueurs. Alors que les deux dernières saisons, tu as vendu Cheikh Doucouré pour 22 millions d'euros. Et la saison d'avant, tu as vendu Loïc Badet. Et l'été dernier, tu avais vendu aussi Wu pour 10 millions d'euros le dernier jour du mercato. Donc. Vous l'avez peut-être dit, mais Brice Samba pour moi. Ouais. Intransférable. Ouais, mais toi, t'es 5. Ce serait qui, t'es 5? Excuse-moi, je fais l'animateur. Vas-y, désolé. Je t'en prie. Tu vois, moi, c'est pareil. C'est un sport collectif, donc c'est très compliqué. Parce que même si tu enlèves les 4-5 joueurs qu'on cite le plus, ceux qui ont eu les trophées, ils existent aussi par rapport aux autres. Donc c'est la problématique. C'est que, est-ce que aujourd'hui, un Doucouré qui était parti. Tu te dis, putain, bon voilà, mais Abdoul Samed a fait la mission, donc Fofana existait aussi. Donc Fofana, ben, Samba, la défense est meilleure parce que tu as un gardien derrière qui a rassuré aussi, qui a amené des choses. Voilà, et de même manière, Samba a été bon parce que Danso a progressé, parce que Medina aussi a été plus performant. Donc
c'est toujours difficile de parler d'individualité dans un collectif. Mais bon, voilà, pour répondre à ta question, parce que je ne veux pas être langue de bois. Enfin, Non, mais attends, je ne suis pas langue de bois. Je pense vraiment Je sais. Voilà, parce que sinon, comme je dis à mes joueurs des fois, peu importe le niveau, tu mets un joueur contre 10 ou 11, il va perdre, hein, c'est clair. Non, mais tu mets Messi contre... Ouais, ouais. Voilà, c'est Samba. C'est Medina s'il reste aussi performant, parce que pour moi il est gaucher, donc c'est toujours emmerdant quand même dans une défense si t'en as pas un. C'est Sotoka. Ah. Bah oui. Parce que, Sotoka, en fait je le compte pas dedans parce qu'il a 31 ans. Et que, non, mais moi, je te parle, personne qui va venir avec une offre à 20 millions. Non, ouais. Franck, mais je ne parle pas de financier, je te parle d'équilibre d'équipe. Et de garçons. Ah oui, mais moi je te parle des joueurs qui ont un potentiel value sur le marché. Non, mais moi je te parle en tant qu'entraîneur, les intransférables, c'est ceux-là. Bien sûr que les mecs qui vont les plus jeunes, les plus attrayants, c'est sur les sols. Moi je te parle d'équilibre, et si j'ai un trou dans mon équipe, j'estime que Sotoka, s'il s'en va, même s'il ne va pas partir pour 30 ou 20 millions, voilà, il va me poser problème parce que j'ai peut-être pas la parade à sa place. Bien sûr que les autres joueurs qui valent plus cher, il n'en fait pas partie. Mais quand tu parles de Sotoka, tu peux dire la même chose pour Grady, la même chose pour Kondoski, en fait. Tu vois, c'est des joueurs pour moi. J'en étais à trois, donc j'allais te citer les deux autres, quelque part, entre guillemets, quoi. Mais tu vois, moi, Grady, Frankowski et Sotoka, pour moi, ce sont, entre guillemets, à Lens, par rapport aux autres noms qui sont un peu plus clinquants, ce sont les joueurs de l'ombre, mais qu'est-ce qu'ils sont importants, en fait. Sauf que la différence entre Sotoka et les deux que tu viens de citer, c'est que les deux, Frankowski et Grady, peuvent avoir des offres. Je pense que Flo, comme tu le disais, Franck, voilà, il a 31 ans, il est bien au Racing, il va jouer la Ligue des Champions. Il bougera pas, Flo. Non, mais entre ne pas bouger et avoir des offres, tu viens de dire. Donc moi, il peut avoir beaucoup d'offres. Ne pas bouger, c'est autre chose. Parce qu'il va à 31 ans. À 31 il peut avoir des offres parce qu'aujourd'hui, la saison, c'est il aura parfait. Des offres avec des clubs qui montent en Ligue 1, avec peut-être, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Ça sert à rien. Il ne bougera pas. Ça ne sert à rien. On ne parle pas de bouger, on parle d'offres. Bien sûr qu'il veut vivre ça. Mais je pense que c'est un joueur, avec la saison qu'il a faite, et ce qu'il a montré, piston droit, excuse-moi, mais moi, je n'ai déjà pas de certitude en football, mais alors encore moins qu'il pouvait jouer à ce poste-là. Hein. Il a rendu service. Donc aujourd'hui, tes coachs, Sotoka, moi, je ne te dis pas que tu le prends qu'à 3, et je n'ai rien contre les autres, hein, à 3 ou à Havre. Hein. Moi, je veux dire, il y a des bons clubs de Ligue 1 qui le prendraient, je te dis bien. Hein, même bien sûr, bien évidemment. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, il n'y aura pas une seule offre suffisamment intéressante pour que Flo puisse avoir la moindre idée de partir. Je parle pas de sa décision, je parle que les clubs s'intéressent à lui. En tout cas, donc on a appris que le Racing était prêt de toute manière à refuser, pouvait avoir les moyens de refuser une offre colossale, par exemple, qui pourrait venir d'Angleterre pour un Danso ou pour un Luis Openda. Ils peuvent se le permettre. Donc voilà, on verra. On verra comment ça va se passer. Parce que ça a le temps de changer dans le foot, on le sait. Moi, j'y crois, à leur discours. Moi aussi, j'ai envie d'y croire maintenant. Non, je pense qu'ils ont joué franc jeu. Parce que je pensais ça déjà avant. Que justement, avec la rentrée d'argent, ils pouvaient se permettre de refuser une belle offre, justement. Avec la simplicité, avec la qualification directe. Après, ce qui fait la grande différence, c'est que même si un gros club arrive avec un gros chèque pour un joueur avec un salaire énorme, la grosse différence, c'est que demain, il y a la Ligue des Champions. Et ça, la Ligue des Champions. Après, ça reste costaud, parce que si demain, je ne sais pas, un top 4 italien, un top 4 anglais, je ne vois pas, peut-être pas un top 4 anglais, vient, je crois que le Milan AC, a priori, serait très intéressé par Openda. Openda, la Ligue des Champions, si tu vas au Milan AC, tu la joues la Ligue des Champions. Le salaire, tu le multiplies par 3 ou par 4. Ouais, mais est-ce que tu es titulaire indiscutable? Non, tu n'arrives pas avec ce statut-là. C'est-à-dire que Au Racing, c'est un des plus appréciés par le public. Oui, il sait qu'il est chez lui. Ouais, mais à Milan, par exemple, il peut aller la chercher, la place de titulaire, même s'il y a des joueurs expérimentés autour, mais il a un profil qui n'existe pas à Milan, par exemple. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent le faire réfléchir. Moi, je pense qu'il a vraiment envie de... Après, s'il avait fait 3 ans à Lens, peut-être... Ouais, moi aussi, effectivement. Je suis comme Jean-Guy, je pense qu'il y a un Luis Openda... Et n'oublie pas, il y a un euro derrière. Et par exemple, un joueur comme Openda, il doit confirmer...
Et il doit aussi montrer à son sélectionneur. Il doit avoir du temps de jeu. Il doit avoir du temps de jeu. Et si, en plus, il va se montrer avec la Ligue des Champions. Ah ouais, donc il partira donc, pas. Ça ne peut être que positif. Donc ouais, dans son esprit. Il le sous-entendait plus ou moins après le match déjà samedi. Et les frites, elles sont pas bonnes à Milan. Je reviens pour terminer sur l'info là que j'ai reçue pour le jeune prodige à Milonarios là. Voilà, on va Oscar Cortés. Notez-le bien, les gars. C'est un prospect, hein. c'est un jeune joueur de 19 ans qui a fait ses débuts là. J'en parlais avec un journaliste français qui est expatrié en Colombie. Gros talent. Doucement. Ouais, gros talent, mais doucement. 19 ans, il fait ses premiers pas en première division colombienne. Donc laissons-le arriver s'il vient. C'est vrai que c'est pas trop la politique en France, mais rien n'empêche par exemple qu'un club, quand t'es sur un jeune joueur comme ça, tu sais qu'il peut pas briller demain en Ligue 1 avec toi. Tu l'achètes, tu le laisses dans le club s'aguerrir, tu sais, mais au moins tu le bloques. Tu ne laisses pas partir sur un autre gros club. Les Anglais le font souvent, ça. Ils achètent et puis ils laissent. Mais tu peux le laisser. Les Italiens, beaucoup. Les Italiens, ouais, c'est ça. Chez lui. Tu peux le laisser dans ton club. Ouais, c'est ce que je dis. Mais je trouve que ça ne se fait pas trop en France. On n'a pas trop le réflexe de faire ça avec les jeunes joueurs. On les prend souvent et puis. On peut aller dans le mur. Bon, allez, ça se termine, les amis. Merci à tous. Alors, inutile de vous dire que le record de vues, ça a explosé littéralement. C'est phénoménal. On va faire les comptes, mais franchement, c'est là, on c'est est très à combien costaud. En live. Ils sont combien, là, nos amis, en live. En ce moment-là, au moment où je vous parle, on est à 1895. Waouh. Voilà, donc on a en live, là. Et on a fait une pointe à 2700. Ah ouais. 2700 en live tout à l'heure avec Arnaud Pouille et Grégory Thil. Donc merci à vous de nous suivre. Ah, mais il y en a plein qui ont cru peut-être que l'émission était finie quand ils sont partis. Et nous aussi, bah forcément. Nous aussi, on passe Ligue des Champions. Il faut revoir les salaires là. Hein. T'inquiète pas. Et avec une telle audience, on va s'envoler. Allez, compte sur moi. Je vais régler ça. Tu refuses toutes les offres de départ. Hein. Attention. Il y en a que j'ai peut-être accepté. Il y en a qui partent à Lille Foot ou pas? Ouais, apparemment Franck Quedru, il est sur. Franck Quedru, il est apparemment. Il y a une émission qui est en train de lui faire les yeux doux à Franck. Non, c'est là, c'est sur la barre. C'est une émission sur la barre. Allez, passez une très très belle soirée. Encore un grand merci au club. Un régal. D'avoir prêté. Je t'aime, moi non plus. Arnaud Pouille et donc Grégory Thil qui étaient nos invités. Vous pouvez revoir cette émission en replay, bien évidemment, sur YouTube. Et puis n'oubliez pas de vous liker si vous ne l'avez pas encore fait et de nous suivre. Il y a Norman qui m'envoie un message à l'instant. Il fait au fait, il y a des salaires, il paraît, à Lens Foot. Merde, il regardait l'émission. Putain, c'était le seul qui n'était pas payé. Non, mais lui, il est encore stagiaire. Attends, c'est sa première saison, il est stagiaire. Allez, passez une belle soirée. Merci Jean-Guy, merci Franck d'avoir été là, merci Sylvain. Ciao. Et puis on se retrouve lundi pour clôturer la saison. On clôturera la saison, mais vous inquiétez pas. Bonne soirée à tous. On enchaînera tout l'été avec Flash Mercato. Bis à tous et à lundi. Ciao, merci de nous avoir suivis. Ciao. Salut.